me suivez, vous? Je vais vous tuer si je ne récupère pas mon argent. Entrez, sans bruit. Je vous offre quelque chose. Puis-je vous aider? Oui, je voudrais voir Madame Watson. Ah, elle n'est pas là pour l'instant, mais... Oh, bah, quand on parle du loup, Madame Watson, monsieur... Spielman, Myron, Spielman, S-P-E-L-L. Par ici. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Spielman? Écoutez, ce n'est pas une chose très facile à dire. Voilà, je suis absolument sûr que ma femme me trompe. L'autre jour, je suis rentré plutôt que prévu d'un voyage à Buffalo. Bien, il n'y avait personne, je suis resté tout seul pendant plusieurs journées. Et elle assure qu'elle était avec sa mère. Mais sa mère a téléphoné en disant qu'elle la cherchait partout. Alors, Madame Watson, voudriez-vous faire suivre ma femme et trouver ce qu'elle manigance en ce moment? Crème et sucre? Oui, merci. Et comment savez-vous? Ah, c'est mon petit doigt. Monsieur Spielman, je vous promets que votre femme ne sera pas coupable d'adultère. Vous en êtes sûr? Oui. Et si vous lui faisiez part de vos soupçons sans agressivité, vous seriez surpris de son explication. Oh, merci. Eh bien, on ne se doit rien, rien du tout, c'est formidable. Vous êtes débrouillé pour jeter par la fenêtre la bagatelle de 300 dollars. Mais ce ne serait pas honnête, le pauvre homme. Allô, Madame Spielman? Jane Watson. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Votre mari ne vous trompe pas. Non, il vous aime beaucoup. Et s'il vous en parlait, eh bien, dites-lui toute la vérité sur votre façon de l'espionner jusqu'à Buffalo. Je suis sûre qu'il comprendra. De rien. Au revoir. Voilà comment perdre deux affaires en une minute. Ah, bien, considérons que nous avons sauvé un mariage. Et dit au revoir au loyer. Quand papa est mort, j'ai décidé de prendre la direction de l'agence parce que je trouvais ça excitant et non lucratif. Les nobles sentiments, d'accord. Mais il faudrait au moins ne pas faire faillite. Oh. Il va falloir vendre cette maison dont vous avez hérité en Angleterre. Voilà votre billet et les papiers de votre père. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Cox de la banque dans cette maison demain après-midi. Où avez-vous eu ceci? Je n'ai pas l'argent. Vous avez déjà entendu le mot crédit? Oui,
Mais à moi, on ne m'en fait pas. Qu'est-ce que vous faites de moi? Non, Houston, je n'emprunterai pas votre argent. Écoutez, c'est la seule chance que j'ai de garder mon boulot. Maintenant, filez. Madame Watson? Oui? Je m'appelle Egbert Cox. Bonjour. Vous voulez bien signer ces papiers, s'il vous plaît? C'est affreux de la vendre. Cette maison est dans la famille depuis 150 ans. Ici. 177. Et les Watson ont toujours été fidèles à la banque Cox. Oh, dites-moi, depuis quand n'y a-t-il personne dans cette maison? C'est clos depuis 1929, quand votre grand-père nous a quittés. Il a déposé ce coffret en métal avant de mourir, avec l'instruction suivante, le remettre au prochain Watson qui entrerait dans cette maison. Bien, bonne chance. Il faut que je m'en aille. Au revoir. Au revoir. Une question de vie ou de mort. Allez au sous-sol immédiatement. Où est ce livre? Le levier noir. Mmh.
pousser le levier rouge. Attendez. Vous pouvez entendre ce que je dis? Vous arrivez des États-Unis, j'ai l'impression. De Californie. Et plus récemment de Boston. C'est exact. Qui êtes-vous? Mon nom est Sherlock Holmes. Ça s'est passé en 1901. 10 ans après avoir eu affaire au professeur Moriarty. C'était aux chutes de Reichenbach. Oui, oui, c'est là que j'ai commis cette erreur. J'ai ouvert une boîte et je me suis piqué sur un ressort pointu qui se trouvait à l'intérieur. La note qui l'accompagnait a été signée par James Moriarty. Mais il était mort. Non, 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 non. Ça n'était pas le professeur Moriarty. C'était son frère, James, qui se vengeait. Il avait deux frères qui s'appelaient James. Le bout du ressort était enduit avec le virus de la peste. La peste? Oui. C'était mortel en 12 jours. Il n'y avait pas d'antidote. Oh oui, il y en a sûrement un. Venez, allons voir un médecin. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin? Vous n'en avez jamais vu? Oh oui, c'est vrai. Vous ne connaissez pas les voitures. Une drôle de calèche. Nous appelons ça une automobile. Merveilleux, Madame Watson. Élémentaire, mon cher Holmes. Je ne sais toujours pas comment vous vous êtes retrouvé congelé. Eh bien, je n'avais pas le choix. C'était la seule chance qui me restait. J'avais fait des expériences chez les Watson, dans la cave, secrètement. J'avais congelé des souris et je les avais ramenées à la vie. J'ai appelé ce procédé le sommeil arctique. Voyez-vous, à l'origine, je n'avais aucune intention de les expérimenter sur moi. Mais face à ce fléau, c'était ça ou la mort. Voulez-vous nous dire s'il y a un remède contre la peste? Vibramycine. Mais en Angleterre, il n'y a eu aucun cas de peste depuis 2 ans. Oui, mais lui, il l'a. Allez-vous vous calmer, mademoiselle? Il a beaucoup de fièvre, les ganglions enflés, les douleurs abdominales. Ah oui. Allez. Il doit sûrement y avoir une autre explication. Il a hiberné pendant 86 ans congelé. C'est lui qui a inventé les cryogènes en premier, mais sans utiliser ce nom.
Quelqu'un, pour se venger de lui, lui a fait absorber le virus de la peste. Il lui faut de la vibramycine. Attention, vous m'entendez? Vous venez de Bristol. Et vos gencives vous font mal, n'est-ce pas? Taisez-vous. Quel est votre nom? Sherlock Holmes. Et je suppose que vous êtes Watson. Je vais vous expliquer. Oui. Et si vous voulez bien m'excuser, je dois dire quelque chose à ma femme. Allô, ici le docteur Morley de Burnham. Y aurait-il deux de vos malades mentaux qui se seraient échappés? Irène. Est-ce vous? Holmes, venez avec moi. Aidez-moi. C'est Moriarty? Oui, venez, nous sommes en danger. Une experte. Ça ne fait rien. J'ai quelques connaissances de ce genre d'exercice. Je m'étais perfectionné en observant Watson. Vous devez avoir faim. Je suis affamé. Ce n'est pas étonnant, vous n'avez rien avalé en 86 ans. La crème a une drôle d'odeur. À mon avis, elle est périmée. Elle est tout à fait normale. C'est de la crème longue conservation. Vous verrez, vous vous y ferez. Ah, j'ai tant de choses à apprendre. Je suppose que Victoria est morte, la reine. Oui. Et le Kaiser? Le Kaiser aussi. Vous savez, j'ai lu toutes les histoires que mon grand-père a écrites sur vous quand j'étais enfant. Je crains que mon chroniqueur n'ait été enclin à l'exagération et romantisme. Je rêvais de votre amour avec Irène Adler et je pleurais. Ça n'a aucun sens. Une femme qui m'a été présentée lors d'une enquête. Eh bien, je suis prêt, je vous attends. Vous m'attendez? Pour aller où? Mais à la maison. Mon Dieu, qu'ont-ils fait de mon Londres? Alors? Télévision. Télévision? Oui, c'est comme une radio, mais avec des images. Ah. Radio?
pense qu'on va aller vous acheter un nouveau costume. Le nouveau Sherlock Holmes. Si on visitait la ville, ça vous plairait? J'ai toujours mis un point d'honneur à connaître chaque centimètre carré de Londres et je ne retrouve aucun point de repère. Et ça, qu'est-ce que vous en dites? Ça, est-ce que ça n'est pas un bon point de repère? Oh my God. Houston, salut, c'est Jen. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, c'est votre bureau qui ne va pas. Il y a eu un visiteur la nuit dernière. Il a fouillé partout, il a laissé un petit... Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Votre père est mort, le premier des quatre. Les autres suivront bientôt, signé Minus. Quoi? Quels autres? Qui est Minus? Qu'est-ce que vous en dites? Erreur capitale de faire des raisonnements sans avoir des données. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Enfin, ça y ressemblait si ce n'était pas une. De mon temps, de telles choses pouvaient arriver avec le poison. Mais de tels produits doivent être détectables maintenant, d'après ce que vous me dites sur la science moderne. Cette science moderne a aussi inventé des poisons nouveaux et plus sophistiqués. Et qui ne peuvent pas être détectés. Oui, les problèmes vont plus vite que les progrès, comme toujours. Vous devez m'aider. Mais je ne sais rien du monde moderne. Je suis un petit enfant. Un anachronisme vivant. Il est possible que mon père ait été tué. Je dois savoir ce qu'il en est. Je vous en prie, revenez à Boston avec moi. Je vous en prie. Mon arrière-grand-père disait que vous résolviez tout. Ah oui? Eh bien, il a eu tort. Pouvez-vous résister au défi? Pouvez-vous? Juste mon point faible. Et je ne peux pas vivre longtemps sans activité cérébrale. Très bien. Marché conclu. Mais dites-moi, comment est-ce que vous avez su que je venais des États-Unis? Vous avez même ajouté la Californie et aussi Boston. En fait, j'ai vécu en Californie jusqu'à ce que je reprenne l'agence de mon père. Et ça, comment l'avez-vous su? Bien, je me suis habitué à remarquer ce que les autres ignorent toujours. Je regarde en premier les bras. Oui, c'est vraiment une drôle d'idée. Il y avait votre accent, naturellement, et puis j'ai également déduit que seul un Américain pouvait avoir ce genre de manière. Et votre peau hâlée suggérait que vous veniez de Californie. Ou de Floride. La Floride, c'est habité maintenant? Quelle sorte de véhicule est-ce? Un omnibus? Non, c'est un avion. Ah. Oui, naturellement, c'est un avion. Oui, un avion, quoi. Je n'ai rien touché, je... Je vois. Eh bien, ils étaient plus soignés pour le Watergate. Qui est? Sherlock Holmes. Enchanté. Très drôle. Que pensez-vous de ceci? L'écriture est grossière. Ça vient d'un homme qui fait 6 pieds de hauteur, très fort et très gras, probablement pesant très lourd. Plus de 100 kilos. Il est pauvre, car il s'est servi de papier de qualité médiocre, et comme le mot n'est pas cacheté, nous conclurons qu'il habite dans le voisinage.
Et il utilise une eau de Cologne bon marché. Holmes, c'est absolument incroyable. Ah oui, c'est incroyable, en effet. Madame, vous contestez mes conclusions? Tout d'abord, la police a pris l'original afin de l'analyser. Je l'ai recopié moi-même. Il se peut que je sois un peu enrobée, je l'avoue, mais je ne suis pas un homme de 6 pieds de haut. L'écriture est grossière parce que je me suis servi d'un feutre épais et le papier que vous tenez est une photocopie. Quant à l'autre colonne, c'est mon parfum. Oui. Il faut qu'on vous trouve un pseudonyme. J'ai souvent utilisé le nom de Holmes Sigerson. Meloche, Kosher, c'est pas terrible. Ah, je vois ce que vous faites. Homer S. Schocker, Hosel H. Schocker, Shlomo Lerchel, Rexless Loom, Meloch H. Resloch et Shelchok Rome. L'anagramme est une spécialité. Ah, c'est une spécialité peu répandue. Je craque sur Shelchok Rome. Excusez-moi, vous êtes Jane Watson? Oui. Je m'appelle Violette Morstan. Mais entrez, je vous en prie. J'habite à la même adresse que la vôtre, 212, mais au nord de Broadway, non au sud. Je sais, oui, nous recevons quelquefois votre courrier, mais entrez dans mon bureau. Merci. Asseyez-vous. Voici ma secrétaire, Madame Houston, et mon associé. Holmes Sigerson à votre service. Vous frissonnez, Madame Morstan. Désirez-vous que nous montions le chauffage? Oh, ce n'est pas le froid qui me fait frissonner, c'est la peur, Monsieur Sigerson. Je suis terrifiée. Qu'est-il arrivé? J'ai lu dans la presse du matin l'histoire du cambriolage dans votre bureau et j'ai pensé que cela devait être une erreur due au mélange de notre courrier respectif. Il y a 5 jours, mon père, Carter Morstan, fut assassiné. Et le nom de Minus fut inscrit sur son agenda de bureau. Je crois que le mot que vous avez reçu m'était destiné. Nous serions-nous égarés sur cette affaire? Ça m'en a tout l'air. S'il vous plaît, voulez-vous m'aider? Mais bien entendu, très cher ami, c'est évident. Notre prix est de $250 par jour. Plus tous les frais! C'est absurde. C'est parfait. Nous sommes très fiers de travailler pour vous. Merci. Watson, ma vie reprend. On a mis le feu après lui avoir tiré dessus. Tiens, curieux. Votre père travaillait au service du gouvernement, Mademoiselle Morstan? Oui, le FBI. Jusqu'à il y a 6 ans environ. Comment le savez-vous? Le stylo, c'est marqué propriété du gouvernement. Vous nous avez mentionné un calendrier de bureau. Ah oui, suivez-moi. Il y a écrit Minus, juste ici sur le jour et l'heure du crime. Où travaillait-il? Par ici. Ah, les pipes. Elles ont souvent un intérêt capital dans les enquêtes. Rien n'est plus symptomatique. Sauf peut-être les montres et les bouts de lacets. Voulez-vous me montrer une de ces paires de chaussures? Oui, certainement. C'est le Bureau national des enquêtes. Une sorte d'agence de détective national. Vous avez vu ça? Morstan a gardé un dossier de chaque affaire. Peut-on vous emprunter ceci? Oh, oui, bien sûr. Je voulais également vous donner autre chose. Je devais aller à l'opéra avec mon père demain soir. Je n'ai plus envie d'y aller. Voulez-vous prendre ces billets? Faust. J'étais à la première de Faust, avec mon ami Freddy Nitsch. Je l'avais soupçonné de plagiat à propos de cette œuvre. Je vous demande pardon? Ce n'est rien. L'individu du nom de Minus a mentionné le chiffre 4. Avez-vous une idée de ce qu'il a voulu dire par là? Aucune. Mon père avait un seul ami intime, Bart Sholto.
Ils se sont perdus de vue quand papa a quitté le FBI. Ça remonte très loin. L'année dernière, notre carte de vœux nous est revenue avec la mention inconnue. Lui, c'est mon père. Et là, Bart Sholto. Ils se sont rencontrés au lycée ou au collège? Élémentaire, mon cher Watson. Allons, monsieur Hopkins, nous voulons seulement faire passer le nom de Bart Sholto dans l'ordinateur du FBI. Je vous ai déjà dit qu'il ne fait pas partie du FBI, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'est pas dans l'annuaire, son meilleur ami a perdu sa trace et il est important que nous le retrouvions. Sa vie est peut-être en danger. Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Le FBI est censé poser des questions, pas y répondre. Il y a la police pour ce genre de choses. J'ai ma licence de privé, je suis en règle et j'enquête sur la mort d'un autre agent qui faisait partie du FBI, Carter Morstan. Pourquoi ne voulez-vous pas nous aider? Vous avez quelque chose à cacher? Voulez-vous sortir? Une couverture, hein? Une magouille, un autre Watergate, c'est ça? Si vous n'êtes pas sorti dans 10 secondes, je vous fais arrêter. Je voudrais voir ça. Je ne bougerai pas d'un centimètre. Je crois qu'il est temps de partir. Merci infiniment de votre aide. Holmes! Vous auriez pu être un peu plus aimable. Oh, c'est vrai qu'à votre époque, les femmes ne donnaient leur avis que sur le ton de la plaisanterie devant une tasse de thé. Moi, je préfère ne pas être désagréable avec les gens qui ont les moyens de me mettre derrière les barres. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Quelques courses. Voulez-vous tenir ceci une minute, je vous prie? Il faut que j'aille m'acheter un livre sur le 20e siècle, pour me tenir au courant. Vous n'allez pas entrer là-dedans? C'est un magasin pour adultes. Mais je suis un adulte. Ce sera parfait, merci. Je suis sûre que votre enfant va l'adorer. J'en suis certaine. Vous voulez autre chose? Je vais juste jeter un coup d'œil. Je vous en prie. Allez-y. Merci. Hey, vous n'êtes pas Jane Watson? Oui. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Mais oui, c'est le drame de ma vie, Tobias Gregory. Personne ne se souvient jamais de moi. Je crois que ça devait être à cette partie chez Truman Capote. On était tous arrivés déguisés en prêtre ou en religieuse. Je ne suis jamais allée chez Truman Capote. C'était chez Norman, là. C'est ça, bien sûr, Norman. Norman. Je ne connais pas ce Norman du tout. Non, j'avoue qu'on ne s'est jamais rencontrés. Je vous ai vu à la télévision dans le truc sur les femmes détectives. Oh non! J'étais chez moi avec une angine, mais d'habitude je travaille, je suis programmateur. Vous êtes programmateur? C'est ça, c'est mon travail. Je suis ravie de vous rencontrer, Tobias. Appelez-moi Toby. Ok. À quelle heure ce jeune homme vient-il vous chercher pour dîner? Tout de suite. Pourquoi? Vous ne savez rien de lui. Vous n'avez pas été présenté dans les règles. Ce jeune homme est programmateur et il pourrait très bien nous aider à trouver Sholto. Mais vous ne savez pas si ses intentions sont honorables. Savez-vous si mes intentions sont honorables? Écoutez. Un homme appelé Minus a détourné un avion. Il y a 6 ans, G.B. Minus. Le FBI a négocié la rançon. Bart Sholto et Carter Morstan ont servi d'intermédiaire. Minus a sauté en parachute quelque part vers Washington avec une mallette contenant... Oh, 800 000 dollars, le montant de la rançon. Oui, je sais. C'est vrai, je m'en souviens. C'est arrivé juste quelques mois avant que Morstan ne prenne sa retraite du FBI. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui aurait réussi à voler 800 000 dollars reviendrait maintenant? Pourquoi? Pourquoi voudrait-il tuer Morstan?
Je disais à votre arrière-grand-père qu'il était idéal comme compagnon parce qu'il connaissait le prix du silence. Ah, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Je suis prête dans une minute. Parfait. Voici Monsieur Sigerson et je vous préviens, il apprécie le prix du silence. Bien. Vous êtes Tobias Gregory. Oui, monsieur, c'est moi. Et vous êtes programmateur, n'est-ce pas? Où travaillez-vous? Je travaille à la BKN, l'agence de crédit. Ils m'ont engagé pour redéfinir leur système en termes de retrait et utiliser le nouveau langage ordinateur. Très bien. Dites-moi tout, d'où venez-vous? Wattleboro, Vermont. Mes parents tiennent une quincaillerie, la quincaillerie Gregory. Et où êtes-vous allé à l'école? Stanford, puis l'université de Columbia. Et quelles sont vos intentions vis-à-vis de Watson? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Sauvé par le gong, n'est-ce pas? Nous y allons à ce dîner. Au revoir. Vous avez faim? Oui, et vous? Moi, j'ai une faim de loup. Je suis navré, je ne voulais pas vous effrayer. Mais qu'est-ce que vous faites debout? Vous m'attendiez tel un bon gardien? Non, pas du tout. Je travaillais. Vous travailliez sans votre pipe? Bon, oui, d'accord, j'étais peut-être un petit peu inquiet. Vous êtes sorti avec cet étranger jusqu'à 1h15. De mon temps, une lady n'aurait jamais fait cela. Je n'ai jamais dit que j'étais une lady. Je veux simplement être considérée comme une femme et non une enfant. Je sais prendre soin de moi-même. Ok? Oui, ok. Bien, je vais vous montrer ce que nous avons fait jusqu'à 1h15:20 du matin. Toby a obtenu d'un ami de la BKN qu'il nous laisse entrer dans la salle d'ordinateur après la fermeture. Et nous avons rentré un chèque au nom de Bart Sholto. Il est considéré comme un très mauvais client. Et il habite au 448 rue Roubidou à Westminster. C'est à environ 60 km d'ici. Mais c'est un garçon épatant, ce Tobias! C'est un coup de feu. Non, c'est beaucoup trop discret. Ah oui, c'est vrai, vous ne connaissez pas les silencieux. Bart Sholto. Voici le second des quatre, signé Minus. Mais enfin, que fait cette mare dans un tel endroit? Vous m'avez donné le bon nom? Ils n'ont jamais entendu parler d'un Tobias Gregory à la BKN, à Stanford ou à Columbia. Il n'y a pas de quincaillerie Gregory à Brattleboro. C'est bien ce que je pensais. Cet homme est un filou. Qu'est-ce que Watson va dire à propos de ça? Où déjeune-t-elle? Avec lui. Il ne faut pas perdre de temps. Il a été tué avec le même revolver qui a tué Morstan. Et il y avait un autre mot signé Minus, disant « Cela fait 2/4 ». Mais pourquoi ce bandit se dévoilerait maintenant, en tuant les deux agents qui lui ont remis l'argent?
Et qui sont les deux autres? Si nous le savions, nous pourrions les protéger si nous les retrouvions. Si nous avions du bacon, nous aurions des œufs au bacon si on avait des œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme à la table derrière vous. Je crois qu'il nous surveille. Oui, vous avez raison. Excusez-moi. Puis-je emprunter votre selle? Naturellement. Le repas n'est pas ce vrai repas s'il n'est pas assaisonné correctement. Vous avez raison. Merci infiniment. Était-ce vraiment indispensable? Il ne faisait que regarder. C'est trop. Je ne trouve pas ça drôle, Watson. C'est digne d'une enfant de 2 ans. Est-ce que je pourrais déjeuner en paix, Holmes? Pas avec cet homme, je le crains. Monsieur Gregory n'a jamais mis les pieds ni à Stanford ni à Columbia. Ses parents n'ont aucune quincaillerie à Brattleboro et il n'a jamais travaillé pour les crédits Beccarin. C'est un menteur et un fourbe. Et peut-être un meurtrier. Je suis du FBI. Le bureau s'est arrangé pour nous faire entrer dans la BKN la nuit dernière pour que je sois dans vos petits secrets. Désolé. Jane, attendez. Vous m'avez berné. Je vous croyais sincère. Je le suis, enfin, je veux l'être. Jane, je m'appelle Toby Gregory. Tout le reste était une couverture. Le FBI est intéressé par cette affaire autant que vous. Pourquoi ne nous aide-t-il pas? Absolument pas. On est au FBI, pas en train de jouer au Club des Cinq. Mais le Club des Cinq avancerait plus vite que nous. Sauf votre respect, monsieur. Alors qu'avons-nous à y perdre? Très bien, d'accord. Mais seulement parce que nous manquons de main-d'œuvre depuis cette affaire Rodman. Carter Morstan a été forcé de donner sa démission il y a environ 6 ans, quand il a refusé de passer au détecteur de mensonges, après la disparition des preuves dans une affaire d'usage de faux. Son partenaire, Bart Sholto, refusa également ce test et donna également sa démission. Il n'était même pas affilié à cette affaire, puisqu'il travaillait sur le détournement d'avion. Les deux agents qui étaient assignés à cette affaire refusèrent aussi le test. C'était Singer et Ross. Ils ont démissionné et il nous est impossible de retrouver leurs traces. Alors, Morstan, Sholto, Singer et Ross sont les quatre. Pourquoi Minus est après eux? Moi, j'en sais rien. C'est la seule photo que nous avons de Minus. Quelles sont les preuves qui ont disparu? Presque 1 million de dollars en tout. Ah. De la fausse monnaie. Et la loi de prescription entre en vigueur la semaine prochaine. Et rien n'a été récupéré? Une petite portion. Un malfrat, nommé Hall Pycroft, a acheté une voiture d'occasion avec 5000 dollars qui faisait partie de ce magot. Il a été arrêté, interrogé, mais il n'a pas dit d'où venaient les faux billets. Il est à Leavenworth, où il séjournera pendant 10 ans. Quel était le nom du faussaire sur qui on a rejeté l'acte d'accusation par manque de preuves? Oui, c'est ce qui s'est passé. Je vais trouver ça. Lysander Stark. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amis, beaucoup d'appui. Nous n'avons jamais pu prouver qu'il était impliqué. Alors, Monsieur Sigerson, quelle est votre affaire? Cela concerne l'importation ou l'exportation? On pourrait dire exportation pour vous, importation pour moi, Monsieur Stark. J'ai une équipe en Angleterre qui s'occupe d'un gros trafic de... Cocaïne. Disons 6 millions de dollars. Je suis prêt à négocier ce prix. Monsieur Sigerson, j'ai peur que vous fassiez une grave erreur. La porte est par là. Oh! Je sais ce que j'ai oublié de dire à ce gentleman. Je suis envoyé par Singer et Ross. Si vous n'êtes pas dehors quand j'aurai compté jusqu'à 3, Francis et Ernest s'en occuperont. Par hasard, vous ne sauriez pas où je pourrais joindre un certain monsieur Minus? Je vous revois et vous êtes mort. Génial!
mal. Nous nous sommes assurément conduits comme des débutants. Parlez pour vous, Watson. Oh, je vous en prie. Où cela nous a-t-il conduits? Est-ce que ça nous a amenés à Singer ou Ross? Ce n'était pas l'objectif, Watson. Oui, et quel était notre objectif, Holmes? Conduire Ross et Singer jusqu'à nous. C'est ce soir, Faust, Watson. Je vais acheter une queue de pie pour cette occasion. On ne porte plus de queue de pie à l'opéra, Holmes. Bêtise. Un animal vêtu d'une queue de pie a l'air d'un gentleman, ça sert. Vous portez avec quoi? Je vais vous dire un secret. À vrai dire, j'aborde l'opéra. Et si vous y alliez avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Madame Houston? Non, merci. Non, pas Madame Houston. Vous ne connaissez personne d'autre? Oh, mes ressources ne sont pas aussi maigres que vous l'imaginez. Je suis ravi que vous ayez cédé, Mademoiselle Ronstadt. Vous savez être persuasif, Monsieur Sigerson. Puis-je vous appeler Holmes? Oh, vous le prononcez avec tant de charme. Vous êtes un flatteur, Monsieur Holmes. Êtes-vous un peu mélomane? Je pince de temps à autre les cordes d'un violon. Ça m'aide à réfléchir. Quel beau théâtre! Oui, en effet. Je connaissais personnellement une chanteuse qui a exercé ici, une contralto nommée Irène Adler. Irène Adler? Mais c'était une contemporaine de Sarah Bernhardt. Et moi, je suis Berthe au grand pied. Voulez-vous bien me renseigner sur notre affaire? Je préférerais avoir une solution à vous proposer. J'aimerais que vous me teniez au courant. Il se fait tard et... Puis-je vous réchauffer en vous offrant un petit verre de sherry? Non, merci, je ne suis pas frileux. C'est fou ce que vous avez fait vite pour changer la décoration. Je ne supporte pas les mauvais souvenirs. Oui, bien sûr. Il y a une chose que je serais curieux de savoir. Je vous écoute. Tout ce luxe, c'est au FBI que votre père a gagné assez d'argent pour acheter tout cela? Oh non. Mon père a inventé une puce électronique il y a environ 6 ans. Il a vendu le brevet à Milvatronics et il a quitté le bureau. Et nous avons vécu très largement sur les royalties depuis lors. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Alors, qui attend l'autre? Je réfléchissais à notre affaire. Mm-hmm. Mm-hmm. Et vous avez trouvé la réponse grâce à l'aide cérébrale qu'apporte le chocolat. J'avoue, je suis une sale gourmande, je le crains. Et rouge à lèvres? Mon cher monsieur Holmes, où avez-vous été traîné? J'ai pris une leçon sur les puces électroniques, très cher. Oh. Mais j'ai une question à vous poser. Oui? Qu'est-ce qu'une puce électronique? Le magnétophone électronique a un dispositif miniature. Cette puce de Morstan a un résultat étonnant. Allô, je suis absent, mais si vous voulez me laisser un message, je vous rappellerai. Je parie que vous n'aviez jamais vu ça. Très juste. On dirait un gremlin. Gremlins. Je parie que vous n'avez jamais vu ça. En effet. On dirait un gremlin. Gremlins. C'est étonnant. La radio sans image. Monsieur Hampton, je me demandais si vous pourriez nous parler des relations financières entre votre compagnie et Monsieur Morstan. J'ai bien peur que ce soit contraire à la politique de la compagnie de révéler des informations, surtout financières. Oh, nous travaillons pour sa fille, et c'est son héritière. Je pense qu'elle souhaiterait que vous nous aidiez. Oui, c'est une affaire des plus urgentes, Monsieur Hampton. C'est important, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps. Je ne fais que suivre les règles. Nous y voilà. Alors, au revoir. Et bonne journée. Alors, quel est le programme maintenant? Vous êtes la tête, je suis les jambes, alors c'est à vous de choisir. Watson, je n'ai pas honte de confesser que j'ai toujours su que je serais un excellent criminel. Thank you.
Vous étiez l'assistant d'Arsène Lupin. J'ai acheté le manuel du parfait petit cambrioleur en 12 leçons. Le dossier Morstan pour connaître ses royalties. Vous savez faire cela? Toby m'a un peu montré. Ça y est, j'ai le dossier Morstan. Je vais le sortir sur l'imprimante. $5,327. Ça représentait beaucoup d'argent de mon temps, ça. Oh, ça fait environ une moyenne de $250 par jour. C'est une misère. Un pourboire. Morstan dépense plus en un an, rien qu'en tabac. Fascinant. C'est le gardien. Il vaut mieux séparer. Arrêtez! Arrêtez-vous ou je tire? Oui, oui, c'est bon, je me rends. Ok. Allez, les mains en l'air. Je ne suis pas armée. Bon. Asseyez-vous ici. Et ne bougez pas. Allô? C'est Mathieu de l'ami de Vertronix. Oui, un rôdeur que j'ai pincé. Ok, j'attends dans le hall d'entrée. Alors, on va passer la nuit aux frais de l'État, hein? Lestrade, brigade criminelle. Où est le bandit? Elle est là, monsieur. Et comment ça se fait que vous n'êtes pas en uniforme? J'étais dans les parages. Mademoiselle, votre main, je vous prie. Vous allez m'accompagner, allez, levez-vous. Au revoir. Bon travail, monsieur. Merci. Ouais. Vous auriez pu participer au Watergate. Holmes, voudriez-vous attirer? Oui. Deux sont morts et deux ont disparu.
Deux d'entre eux travaillaient sur le détournement et les deux autres sur le cas des faussaires. Ça veut dire que les deux affaires sont liées. Exactement. Quel est le nom de l'homme qui a tenté de passer une partie de cette fausse mornifle? Hall Pycroft. Bien. Pouvez-vous nous arranger une visite à la prison? Bon, sans problème. Ah, si j'ai un problème, je n'ai pas de monnaie. Ah, j'en ai trouvé. Il est gentil. Vous avez changé d'avis, alors? Oui, c'est vrai. Je le soupçonnais de se servir de vous. J'avais tort? Non, non. Avez-vous déjà eu tort? Oh oui. Je me suis trompé au moins 4 fois. 5 avec la photocopie de Madame Houston. Vous savez, vous pourriez trouver pire que ce pauvre Tobias. Voulez-vous bien cesser d'arranger mon avenir? Il y a un petit problème. Hall Pycroft a été libéré il y a près d'un mois et depuis il ne s'est pas présenté, il a disparu. Mais c'est ça! Pycroft est l'assassin! Il est sorti de prison et a recherché les 4. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que... J'ai le début, vous trouvez le reste. Il faut absolument le retrouver, vous êtes d'accord. Bon, alors comment se rend-on à Seattle? Monsieur, détendez-vous, tout va bien. Merci. Mais je me détendrai quand nous serons à terre. Oh, c'est votre premier vol? Certainement pas. C'est le second cette semaine. Bien. Vous savez, les avions sont sûrs de nos jours. Faut pas vous inquiéter. Vous voulez un verre? Oui, merci. Whisky. Whisky serré. Serré? Sec. D'accord. D'après les croquis de la police, le campement de Pycroft était là et sa Jeep était garée là-bas. Bien. Parce que vous pensez vraiment trouver quelque chose 6 ans après? Je ne sais pas encore, mais c'est de l'étincelle que jaillit l'incendie. Un proverbe pour chaque situation, n'est-ce pas, Holmes? Quelle drôle de coïncidence. Quand il s'agit de meurtre, les coïncidences n'existent pas. Elle ne ressemble pas aux autres. Elle est de facture beaucoup plus récente. Oui, on observe une différence de végétation. Ça a été remué il y a peu de temps. Nous allons l'ouvrir. Profanation de sépulture. On ne profane pas une sépulture où il n'y a pas de corps. Que vous ne me faites pas faire. La justice, Watson. La justice. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Et qu'est-ce que vous en savez? Vous ne vous appelleriez plus Watson, Watson. Les temps ont changé. J'ai été mariée pendant 7 mois, quand j'avais 20 ans. Ah. Ça a été un échec. Une autre femme, je suppose? Non, un homme. Je ne croyais pas capable de tomber amoureuse d'un autre homme. Pas moi, lui. De savoir s'il s'agit de l'argent de Minus ou bien de la fausse monnaie disparue. Ma chère, c'est la même. Et une minute. Les hommes du FBI ont empoché l'argent réel qu'ils devaient remettre à Minus. Et lui a remis la fausse monnaie qui venait de l'autre affaire. Ouais, c'est ça. J'ai raison, hein? Je suis dans le vrai! Oui, vous êtes dans le vrai. Holmes, quand Minus, utilisant le nom de Pycroft, a acheté une voiture,
Il a été arrêté pour escroquerie et non pour détournement. Absolument exact. Comment saviez-vous que c'était ce qui s'était passé? Je l'ai soupçonné depuis qu'on nous a parlé des deux affaires. Je suis sûre que vous serez très bien. Vous signez ici. Chambre 201 et 203. Si je laisse mes chaussures devant la porte, est-ce qu'on va me les cirer? Non. Ah, je vois. Un petit dernier? Ah, non, merci. Non, je vais téléphoner à Toby pour le tenir au courant. Je vais prendre un bon bain et dormir. Attendez une seconde, vous voulez bien recommencer? Les agents du FBI ont volé la fausse monnaie pour la remettre à l'auteur du détournement et ils ont empoché la vraie. Pas étonnant que Minus essaie de les retrouver. Écoutez, pourquoi est-ce que je ne prendrai pas le premier avion? Vous pourriez me rendre les preuves. Non, ne soyez pas idiot, on les rapportera demain. Mais je vous assure, ça ne me dérange pas. Mais je ne sais pas s'il y a une chambre de libre. Oh, ce n'est pas grave, on pourrait partager. Oh, Sigerson est très méticuleux et vieux garçon, il ne voudra pas de quelqu'un dans sa chambre. Je ne pensais pas à Sigerson. Bonne nuit, Toby. Jen, attendez. Croyez-vous qu'à votre retour, nous verrons, enfin... Oui. Vous viendrez nous chercher à l'aéroport. Faites de beaux rêves, Toby. Un whisky, je vous prie. 5, c'est parti. Et voilà. Moi, j'aime le classique, et vous? Oui. Je te paye un verre, matelot. J'en ai un, merci. Et je ne suis pas un matelot. C'est une expression. Je voulais pas dire que vous l'étiez. Je m'appelle Kitty, Kitty Horowitz. Et je n'en suis pas un non plus. Non. Je dirais que vous vendez des bijoux, vivez à Portland dans l'Oregon, vous venez de quitter votre mari ce matin, je pense, et vous avez deux enfants. Oh, êtes-vous un de ces télépathes comme Yuri Geller? Vous voyez ce que je pense? Je suis observateur. Vous portez des bijoux très chers et très beaux avec une robe qui ne vient pas de chez un grand couturier. Donc, vous en vendez, car vous n'avez pas les moyens de vous les acheter. Il y a un cercle clair à votre annulaire et le vernis de votre ongle est écaillé par la force avec laquelle vous avez retiré votre alliance. Votre façon de vous tenir laisse à penser que vous avez porté des enfants et ce petit reçu qui sort de votre sac à main vient d'une boutique qui se trouve à Portland, Oregon. Est-ce que vous êtes drôle? S'il vous plaît. Vous avez une certaine, disons, joie de vivre. Est-ce que... je peux faire quelque chose pour vous? Il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup. Dites-moi. Voudriez-vous me parler de cette affaire Watergate? Vous avez de ces idées? Holmes Sigerson. À votre service. Je veux vous parler. Oui. Je veux également vous parler, monsieur Singer. C'est pourquoi je vous ai fait venir. Comment ça, vous m'avez fait venir? Je vous ai suivi. Au contraire. Oui, j'ai menti à ce cher monsieur Lysander Stark. Quand je lui ai dit que vous m'aviez envoyé à lui, je pensais bien que cela vous ferait sortir de votre trou. Grâce à ça, vous pouviez me faire tuer. C'est pour vous sauver la vie que j'ai pris ce risque, monsieur Singer. Morstan et Sholto ont été tués, et j'ai toutes les raisons de penser que le tueur est sûrement après Ross et vous. Il faut me conduire à l'argent. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais vous conduire nulle part. J'ai le devoir de vous avertir que je suis un adepte de cet ancien art japonais, le jujitsu. Oh!
Il faut le suivre. Springs en Arizona, Parsad. Un curieux pseudonyme. Voudriez-vous avoir l'extrême obligeance d'appeler la police, oui, s'il vous plaît? Il faut que j'aille en Arizona. Je vous accompagne. Non. Vous allez rendre la fausse monnaie au FBI et ensuite vous me rejoindrez, d'accord? Oui, mais... Moi, je dois aller chez Singer et chercher la planque de Ross avant que l'assassin ne brouille les pistes. Soyez prudent, Holmes. Troisième cette semaine, merci. Où puis-je trouver un taxi, je vous prie? Vous plaisantez, monsieur. On est à Outman, pas à Las Vegas. Il n'y a aucun taxi ici. Mais il faut que j'aille à une adresse à Silver Springs. Que puis-je faire? Un seul moyen, Winter. Où? Ici. Et combien pour la tire et le chauffeur? La voiture coûte $19.95 par jour. Et le chauffeur, c'est vous. Moi? Impressionné. Bien, sachez qu'un sujet de sa gracieuse majesté ne cède jamais. Ah oui, l'Amérique. Sale chauffeur! Chuck, des nouvelles de Sigerson? Aucune. Mes gars ont trouvé la voiture dans le ravin. Ils sont en train de la remorquer. Et je parie qu'ils effacent les traces de pas. Oh, on ne peut pas définir une direction dans le désert. Sauf le grand Sherlock Holmes. Thank you.
prions pour que ça fonctionne. Oh. Watson et compagnie. Oui, j'accepte l'appel. Holmes, mais où êtes-vous donc? Décrivez-moi. Ce n'est pas le paradis, c'est le lac Havasu. Vous me surprendrez toujours, Watson. Allez, venez, on va chez Singer. Oui, mais je crois que c'est trop tard. Singer a vécu dans un mobile home ces trois dernières années. Nouveau numéro de sécurité sociale, un nouveau permis de conduire. C'est pourquoi nous n'avons pas pu le retrouver avant que vous nous disiez qu'il utilisait un autre nom. Et peut-être que M. Ross utilise aussi un autre nom. Exact. C'est ici. C'est ici. A été battu d'une longueur. Ça, c'est digne de la police, mon cher. Qu'est-ce que c'est? Un peu de cendre. Ça y est, j'ai trouvé le carnet d'adresse de Singer. Eh bien, l'adresse et le téléphone de Ross... Oui. N'y sont pas. Votre dîner est dans le four. Holmes? Vous allez bien? Il y a quelque chose qui m'échappe. Et je ne sais pas quoi. Toutes mes déductions semblent avoir été congelées avec moi. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, non. Sortez et amusez-vous. Je suis ravi que vous ayez reconsidéré ma suggestion à propos de Toby. Quelle suggestion? L'épouser. Je ne vais pas l'épouser. Je vais dîner avec lui. C'est un copain et je n'ai pas l'intention de fréquenter votre Toby. Est-ce que c'est clair? Lady Duff protests too much, methinks. Je suppose que Shakespeare faisait également partie de vos vieux potes. Où avez-vous trouvé ça? Oh, ça... comment vous trouvez ça? Lait? Non, c'est un peu... spécial. C'est surtout le fait qu'une personne aussi normale que vous achète ça qui m'étonne. Vous avez raison, je ne l'ai pas acheté. Je suis heureuse pour vous. Je l'ai peint. Oh, je suis désolée. Ah, ça ne fait rien. Vous savez, je ne suis pas aussi normal que vous le pensez. Et je sais être très excentrique, quelquefois. Pourquoi dites-vous ça? Voyez-vous, je pense que vous êtes le genre de femme qui adore les gens excentriques, avec du caractère. Toby, vous avez du caractère. Vous n'avez pas à me le prouver. Merci. Allez-y. C'est une recette de famille. Oh! J'ai oublié. Quoi? Musique d'ambiance. Comment trouvez-vous le sang? J'ai tout construit moi-même, même les baffles. J'ai fait pousser le mur pour que le son soit exactement ça. C'est ça! Oui, c'est ça! Je vous expliquerai. Vous aviez bien dit que ça vous aidait à penser. Ah. Très bonne idée.
Sade. Mais oui. Vite, dépêchons-nous. Et si cet autre homme veut créer une famille, c'est lui qu'il faut choisir. Car l'important pour votre équilibre, d'après ce que vous me dites, c'est d'avoir des enfants. Donc, il vous faut choisir le compagnon avec qui vous pourrez fonder... Votre vie est en danger. Laissez-nous entrer. En réalité, vous êtes Charles Ross, le dernier des quatre. Morstan, Sholto et Singer ont été assassinés. Laissez-nous entrer si vous voulez qu'on trouve les assassins avant qu'ils ne vous trouvent et vous tuent. Singer est mort? Oui, j'en ai peur. Comment m'avez-vous trouvé? Singer se faisait appeler Barsad. Vous étiez amis depuis toujours et deux voleurs, c'était évident que vous vous feriez appeler Clay. Clay et Barsad. Barsad et Clay. Les deux voleurs conspirateurs de Dickens dans Histoire des deux cités. J'aurais jamais cru que quelqu'un puisse se souvenir de l'Histoire des deux cités. Je l'ai lu à sa sortie. Vous avez raison. Lysander Stark m'a proposé 50 000 dollars si on détruisait les preuves contre lui. La fausse monnaie? Ouais. Et puis, il y a eu l'affaire du détournement. Alors, au lieu de rendre la fausse monnaie à Stark, vous avez remis 800 000 de ces faux dollars à l'auteur du détournement Minus. Comment savez-vous ça? Je suis détective. Qu'avez-vous fait des vrais 800 000 dollars? Nous les avons enterrés et nous avions convenu de les retrouver ici quand il y aurait prescription. La semaine prochaine. Oui, mardi à minuit. J'ai heurté quelque chose. C'est ça. Il y a 800 000 dollars dans cette boîte. Je pense que vous faites une erreur grossière. Watson, à vous l'honneur. Trop tard, Minus. Le puzzle se reconstitue. On sera en sécurité ici, jusqu'à ce qu'on appréhende le tueur. Je sais. Minus a tué Morstan, Singer et Sholto. Il en a fait parler un afin de connaître leur cachette. Et ensuite, il a déterré l'argent. Ma chère, si vous aviez raison, la terre serait fraîchement retournée. Or, il n'en est rien. On a creusé à cet endroit il y a peut-être 5 ans. Ok, il l'a fait il y a 5 ans. Watson, il était en prison jusqu'à il y a un mois. Ah oui. Il faut que tous les faits d'une affaire soient soigneusement étudiés avant d'avancer une solution. Eh bien, je ne sais pas comment, mais il est évident que Minus est l'assassin. Trop évident. Arrêtez-vous là! Watson, vous êtes en présence du plus grand imbécile de la Terre. On devrait me reconduire à coups de pied à Charing Cross. Rien de ce qui s'est passé ici n'était une coïncidence. Le tueur était invariablement derrière chacun de nos actes. Oh, vous en faites une affaire trop personnelle. Mais un meurtre, c'est très personnel. Surtout si j'ai été le complice du tueur en le conduisant à chacune de ses victimes. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Watergate. Ah, vous y avez pensé. Bien sûr, il s'agit certainement d'une femme. On ne peut jamais faire confiance aux femmes, Watson.
Je vous remercie. Non, je ne parlais pas pour vous, très chère. Où voulez-vous en venir, Holmes? Minus a dû avoir un complice, quelqu'un qui l'a tenu informé de nos progrès à chaque moment de l'enquête. À qui avons-nous fait des confidences? Si vous voulez insinuer que Madame Houston était sa complice, vous pouvez faire vos valises et disparaître à tout jamais de ma vie. Je vous en prie, calmez-vous. Je n'ai pas dit que j'accusais Madame Houston. Violette Morstan. Monsieur Sigerson, Mademoiselle Watson. Pouvons-nous entrer? Bien sûr. Holmes, qu'est-ce que vous faites? Je vous arrête pour complicité dans 3 meurtres. Watson, appelez le FBI pendant que je surveille notre suspect. Mais je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je ne pourrais pas tuer quelqu'un. Minus ne peut pas l'avoir fait sans aide. Alors que peut-on penser? Je croyais que j'étais votre ami. Vous l'êtes. Mais cela ne doit pas entraver la marche de la justice. Toby et ses hommes vont arriver. Ne bougez pas. Watson, surveillez-la. Eh bien, nous finissons par nous rencontrer, Monsieur Minus. Oh non, ça n'est pas Monsieur Minus. Qui est-ce alors? Papa. Je ne laisserai pas t'arrêter pour mes crimes, Violette. Tu vas venir avec moi. Mais je ne te comprends pas. Votre père a trahi non seulement Monsieur Minus, mais aussi ses partenaires Ross et Singer. Il a déterré l'argent volé il y a des années. Et vous avez vécu sur cet argent pendant 5 ans. Ensuite, il a prétendu que son argent venait de son brevet. Alors, il a tué Minus et a changé les identités? C'est exact. Mais récemment, Minus a essayé de me faire chanter. Il savait que le délai de prescription allait expirer. Il voulait le quart. J'ai fait comme s'il m'avait tué. Et vous avez écrit la note signée Minus et fait en sorte de la laisser à notre adresse pour que nous vous conduisions aux 3 hommes que vous deviez éliminer avant ce fameux rendez-vous, car ils auraient réalisé que vous aviez gardé l'argent pour vous. C'était forcément vous, Morstan. Qui pouvait être mieux placé que l'inventeur d'une puce électronique pour placer des micros dans notre bureau? Et vous fumez la pipe. Il y avait des marques de pipe sur la semelle de vos chaussures. Vous aviez l'habitude de vider les cendres de votre pipe de cette façon. J'ai trouvé un peu de cendres dans la caravane de Singer. Elles avaient les mêmes propriétés que celles de votre tabac, et oui. Ah, vous savez tout. Dommage. Dommage que vous ne puissiez pas avoir le temps de le raconter. Vous allez commettre combien de meurtres? 4, 5, 6? Allez-vous aussi tuer votre fille? Bougez plus, Morstan. Beau travail, Holmes. Allez. À blanc. Vous aviez des balles à blanc dans votre revolver. Comment avez-vous pu être aussi vieux jeu? Vieux jeu? C'était vieux jeu? Oh, mon père. Je ne peux pas le croire. Je suis désolé de vous avoir fait subir cette épreuve. Nous ne vous avons jamais soupçonné. Pardonnez-moi, mais un peu de comédie était la seule façon d'obtenir sa confession. Allez-vous tranquille, hein? Pas sûr, mais avez-vous compris que c'était Morstan et non Minus? Je m'en suis douté quand j'ai vu que la victime avait été tuée par balle et ensuite brûlée. Il le fallait afin d'éviter l'identification. Et avec cela, le délai de prescription touchait à sa fin. Minus était en prison quand l'argent a été déterré. Et c'est à cette époque que Morstan a commencé son train de vie royal. C'était donc élémentaire, ma chère Jane. Vous savez, vous êtes bien meilleure que le disait mon arrière-grand-père. Mais vous n'êtes pas mal non plus, ainsi que pouvait le dire notre ami Tobias. Oui, et moi, je fais mal la cuisine? Oh, Toby, je suis désolée pour l'autre soir. J'étais tellement absorbée par cette affaire. Ce n'est pas grave, je vous assure. Oui? Oui. Oh, j'ai une idée. Et si je vous faisais à dîner à tous les deux? Oh, très bonne idée, très bonne idée. Oh non, je ne voudrais pas vous donner du travail. Ce n'est rien du tout, je dois sortir un truc du congélateur et le décongeler. Et pour ça, elle est douée.